J'ai été reçu par mon grand frère, le vice-président Daniel Cablan-Duncan, à ma demande. Je suis venu lui rendre une visite de courtoisie, une visite fraternelle. Le vice-président Duncan a été la plus haute autorité du Sud Comoé et la deuxième autorité de l'État que je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer depuis que j'ai quitté le gouvernement. Donc j'ai souhaité venir le saluer, il a accepté ma visite et nous avons échangé fraternellement et nous avons parlé de notre pays et de l'avenir de notre pays.